Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, partagez le live. On va faire une petite méditation de groupe pour attirer l'abondance. Voilà, j'avais décidé de faire cette méditation seule aujourd'hui, mais j'ai envie de la partager avec vous. Voilà, plus nos énergies seront alignées, plus nous pourrons attirer l'abondance dans nos vies et dans nos métiers. Voilà. Voilà, partagez le live. Petite méditation pour attirer l'abondance. Voilà, partagez, likez. Voilà, je fais beaucoup de méditations pour apaiser mon esprit et pouvoir me recentrer sur mes objectifs. Voilà. Donc au cours de cette méditation, je vais vous demander de vous allonger, de vous asseoir confortablement et de faire en sorte de vous détendre. Voilà. On va essayer de chasser toutes les pensées bloquantes, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous bloque votre énergie, vos capacités, votre créativité, tout ce qui bloque votre talent, tout ce qui vous empêche de voir ce pourquoi vous êtes arrivé sur Terre et tout ce qui vous empêche de comprendre votre mission de vie. Voilà. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc partagez le live à des personnes qui auraient besoin de calme et de sérénité et qui souhaitent aussi y voir plus clair dans leur objectif, dans leur vie et dans leur quotidien. Donc, asseyez-vous confortablement. Bonjour Dexter, bienvenue dans cette méditation guidée. On va essayer de s'apaiser l'esprit pour attirer l'abondance et faire en sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs et calmer votre mental pour vous concentrer sur l'essentiel. J'avais prévu de faire cette méditation seule, mais j'avais envie de la partager avec vous. Donc installez-vous confortablement. Allongez-vous, asseyez-vous, fermez les yeux. Et je vais vous demander d'inspirer, puis d'expirer. En expirant, vous expirez tous vos problèmes. Quand vous expirez, imaginez-vous en train d'expirer et d'extraire toutes les pensées négatives, tous les problèmes et tout ce qui ne va pas dans votre vie. En inspirant, je vous demande d'imaginer la lumière, le soleil, la chaleur, la nature, le lieu le plus paradisiaque qu'il vous est donné, où vous souhaitez être en fait, hein, une plage, un bois, une forêt. Et en expirant, je vous invite à expirer tout ce qui vous embête, tout ce qui vous tracasse et tout ce qui vous bloque. Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Encore une fois, inspirons. Expirons. Expirez le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'il le faut pour extraire ce qui vous tracasse. Maintenant, je vais vous demander de rester allongé ou assis et de commencer par imaginer les rayons du soleil ou alors une forte lumière qui illumine le dessus de votre tête, de votre crâne. Cette lumière divine sera là pour vous éclairer, pour éclairer votre chemin, pour éclairer vos décisions, pour éclairer ce qui ne va pas chez vous, les zones d'ombre.
Imaginez cette lumière pénétrer votre cerveau. Imaginez cette lumière pénétrer vos yeux pour que vous puissiez y voir plus clair. Imaginez cette lumière pénétrer votre bouche pour que vous puissiez dire les bonnes choses en face des bonnes personnes pour obtenir ce travail que vous attendiez depuis si longtemps, pour obtenir ce client, pour signer ce client que vous attendiez depuis si longtemps, pour créer cette entreprise dont vous rêviez depuis si longtemps. Que cette lumière envahisse votre cerveau, vos yeux, votre bouche, pour que tout soit aligné, pour que votre parole soit alignée à votre vision, pour que votre parole soit alignée à vos actes. On continue. Faites en sorte que toute cette lumière pénètre votre corps, par vos intestins, vos muscles, pour vous garder en bonne santé, pour que vos muscles et votre corps soient assez vaillants, pour mener à bien vos objectifs, pour faire ce que vous avez à faire et pour vous trouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Imaginez encore cette lumière éclairer vos pas, vos pieds, pour qu'elle puisse vous guider vers les bonnes personnes, ces personnes bienveillantes, aimantes, qui vous permettront d'avancer sur le chemin qui vous est destiné. Imaginez que cette lumière ne vous abandonne jamais. Je vais vous demander de fixer la flamme de la bougie que je viens d'allumer et de faire en sorte que cette bougie vous éclaire pour cette journée, pour les jours qui viennent, pour les mois à venir, et que cette lumière de cette bougie puisse vous aider à toujours garder en tête l'objectif que vous vous êtes fixé, les objectifs que vous vous êtes fixés. En fixant cette lumière, vous vous apaisez. En fixant cette lumière, vous brûlez tout ce qu'il ne convient plus dans votre esprit. Vous brûlez tout ce qu'il n'y a plus de... Enfin, toutes les mauvaises pensées que vous avez à l'esprit. En fixant cette lumière, vous vous fixez aussi sur ce que vous devez être et ce que vous devez faire. Faites en sorte que cette lumière vous éclaire à chaque moment, à chaque pas. Faites en sorte que cette lumière vous guide pour que l'abondance arrive dans vos vies. Faites en sorte que cette lumière attire l'abondance à vous. Et faites en sorte que cette lumière ne s'éteigne jamais dans votre cœur. Faites en sorte que cette lumière puisse vous aider à demander de l'aide. À qui de droit ? À une personne que vous ne connaissez pas. À cette personne à qui vous allez parler de votre projet au bon moment, au bon endroit. Faites en sorte que cette lumière puisse aussi faire en sorte que vos guides ne vous abandonnent jamais. Faites en sorte aussi que cette lumière vous rappelle à chaque instant, à chaque moment, même lorsque les moments sont compliqués et que vous ne voyez pas grand-chose, que cette lumière est là pour vous accompagner. Et appelez vos guides, vos anges, vos ancêtres, appelez-les comme vous le souhaitez. Faites que cette lumière vous rappelle toujours qu'ils sont là à vos côtés pour vous aider et que vous n'êtes pas seul. Cette lumière, je l'ai allumée pour moi, je l'ai allumée pour vous, parce qu'ensemble on est plus fort et que méditer ensemble va nous permettre tous ensemble d'atteindre nos objectifs. Cette lumière va nous permettre tous ensemble de nous apaiser pour qu'ensemble nous atteignions nos objectifs et faire en sorte que nous puissions récolter ce que nous méritons. Si aujourd'hui tu penses que tu es seul, si tu penses qu'aujourd'hui tu es abandonné, si tu penses qu'aujourd'hui il n'y a plus d'espoir, sache que cette flamme est là pour te redonner l'espoir. Si tu penses qu'il fait froid dans ta vie, cette flamme te réchauffera pour que tu retrouves la chaleur. Grâce à cette flamme, je vais te demander de refermer les yeux à nouveau et de t'imaginer maintenant dans la meilleure des situations dans laquelle tu souhaites être. Donc on va regarder quelques secondes, voire même quelques minutes de silence pour que je puisse vous laisser vous imaginer dans la situation que vous méritez, dans la situation que vous attendez
et dans la situation que vous êtes venu mettre en lumière, pratiquer, créer ici sur Terre. Imaginons-nous maintenant, ensemble, dans le bonheur que nous méritons. N'oubliez pas qu'au-delà de ce que vous voyez, il existe un monde invisible dans lequel vous pourrez puiser votre force et dans laquelle est votre force. N'oubliez jamais que lorsqu'on vous met face à une épreuve, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ne cherchez pas à comprendre si vous êtes bon ou mauvais. Ne cherchez pas à comprendre si vous êtes dans une dualité quelconque. Ne cherchez pas à savoir si vous êtes chanceux ou pas. Dites-vous que lorsque la difficulté apparaît, c'est parce que votre protecteur, votre ange gardien, vos ancêtres, vos guides essayent de vous mettre sur le bon chemin. Alors arrêtez tout ce que vous faites. Prenez un papier, un crayon et écrivez. Écrivez ce que vous souhaitez. Écrivez ce que vous voulez. Écrivez ce qui vous fait mal. Écrivez ce que vous attendez de la vie. Et vous verrez que vos guides vous mettront sur le bon chemin. Et vous verrez que vos guides vous aideront à accomplir votre mission. On va essayer de revenir maintenant, de se réancrer en fermant les yeux. Maintenant que nous avons voyagé dans le monde de l'invisible, nous allons revenir dans notre réalité. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de marcher dans une prairie, pieds nus. Imaginez la sensation de l'herbe verte sous vos pieds. Imaginez-vous tel un arbre ayant des racines bien ancrées en terre. Cet arbre, pour devenir beau et majestueux, a dû affronter des tempêtes, des cyclones, des tremblements de terre, parfois même des incendies. Mais cet arbre est encore là. Et cet arbre, c'est vous. Oui, cet arbre, c'est vous. Ancrez-vous. Et les tempêtes vous rendront meilleurs. Les tempêtes vous rendront plus beau et les tempêtes vous aideront à vous connecter à qui vous êtes vraiment. Voilà, j'ai fini la méditation du jour. Ça m'a fait énormément de bien de la partager avec vous. J'espère que ça vous a fait du bien aussi de la partager avec moi. Et envoyez-moi des messages si vous souhaitez qu'on puisse faire plus de méditations de ce type-là. Ça me ferait énormément plaisir de continuer de partager mes méditations avec vous. Merci Dexter, ça me fait vraiment plaisir de lire ça. Merci pour la rose, c'est très 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 gentil. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Cette bougie, je vais la laisser allumer pour vous jusqu'à ce qu'elle se consume. Parce que quand vous laissez une bougie allumée, ça veut dire que tous les vœux que nous avons déposés au cours de cette méditation continueront de monter vers nos guides, dans l'univers, jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Et on recommencera jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive, je vous envoie de la guérison. Et sincèrement, j'espère que la lumière arrivera dans vos vies. Je vous fais beaucoup de bisous, merci beaucoup. Et à demain pour une autre méditation. Je vous embrasse.